Thank you.
es morte à 27 ans. La science n'a pas été bouleversée, bien qu'on t'ait découpée, formolée, décrite trait pour trait. 200 ans ont passé, tu as refait la traversée. Chantal, bonjour. Bonjour. Alors, parlez-nous de cette Vénus. La Vénus Autantos, c'est une longue histoire. Oui. Écoutez, cette Vénus, l'interpréter, c'est pas évident. Il faut pas être trop fatigué parce qu'au niveau émotion, ça prend, quoi. C'est fort. Mmh. C'est assez fort. L'histoire est difficile, étant donné que c'est une femme qui a été quand même maltraitée, exposée en France, en Angleterre, qui en est morte d'ailleurs de cette exposition. À l'âge de 26 ans, assez jeune. C'est vrai qu'il y a un parallèle, comme je disais tout à l'heure, avec moi, parce que c'est une histoire aussi d'identité, de physique, la différence. Et c'est vrai que cette différence n'est pas toujours évidente à vivre au quotidien. Et il est vrai que je suis danseuse depuis plus de 20 ans, et que danseuse aussi dans le milieu contemporain, c'est la des fesses rebondies, est-ce que ce sont des vraies fesses, c'est beaucoup de questions. Et je crois que quelque part c'est ce qu'a vécu la Vénus pendant toute cette période où elle est venue en Europe, où elle en est morte. Et du coup c'est pour ça que j'avais envie d'interpréter cette histoire. Et voilà. Donc vous vous identifiez quelque part à ces Vénus alors? M'identifier oui et non, physiquement oui. Oui. Après, de ce qu'elle a vécu, non, parce que moi, j'ai pas du tout. Non, bien vécu. Évidemment, parce qu'elle a vécu. Alors, en fait. La différence, ouais. Oui. La différence sur le corps, sur ce qu'on peut vivre, le fait qu'on soit cambré, qu'on soit calipige, depuis petite, et puis même la différence aussi d'être noire, tout simplement, hein, d'être noire et d'avoir un corps différent, c'est pas facile. Les femmes du politique supérieur, a priori, avaient cette morphologie. Hein. Oui, mais je veux dire, le fait d'être cambrée, d'être calipige, quand même, c'était pas forcément... Enfin, moi, en tout cas, étant jeune, on se moquait beaucoup de moi. Et quand j'étais jeune aussi, en tant que noire, on m'appelait tout le temps noirotte. Hein. Donc, ouais. Donc d'être noire aussi, c'est un problème aussi. Hein. Il y a quand même du racisme encore au-delà de ça. Bon, ça, c'est... Qu'est-ce qui vous a amené à la danse, alors? La danse, j'ai commencé jeune aux Antilles. Donc j'étais plutôt, j'ai commencé de façon autodidacte. Et arrivé en France, j'étais passionnée toujours par l'artistique de façon générale. J'aurais aimé être danseuse classique, patineuse, gymnaste. et voilà, et du coup je suis tombée dedans, mais je ne pensais pas pouvoir en vivre. Et puis à l'âge de 24 ans, j'ai dit non, je veux vraiment faire que ça. Donc j'ai monté ma propre compagnie. Et j'ai commencé à danser pour d'autres aussi, compagnies professionnelles. Donc je mène mon petit cheval de bataille et je m'exprime que sur scène. Et je suis bien que quand je danse sur scène. Vous voyez, d'ailleurs, aujourd'hui, il y avait du monde, j'étais bien. Tant qu'il n'y a pas de monde, je suis molle. Bonjour, vous êtes à l'origine de la chorégraphie. Oui. Alors, expliquez-nous un peu toute la symbolique dans le déroulement. Là, on n'a pas vu, aujourd'hui, on n'a pas vu le solo complet. Hein. Non, aujourd'hui, voilà. On a vu 30 minutes. La chorégraphie, on l'a fait, Chantal participe évidemment, puisqu'on travaille aussi à base d'improvisation. Et elle a aussi travaillé avec un autre chorégraphe qui s'appelle Paco Dessina au tout début pour trouver des petits matériels.
On sait que moi je suis arrivé, j'ai quand même mis en forme tout ça. La symbolique, ben, il y en a pas mal. On est parti, l'idée de départ c'est quand même de ne pas faire un biopic, de raconter l'histoire de la Vénus, c'était plutôt de suggérer des images qui ont rapport avec... De faire des ponctuations peut-être, voilà. Voilà, des moments de sa vie, des choses qui la symbolisent comme l'enfermement... L'exposition, etc. Et voilà. Et après, c'est des images qui me viennent, voilà, par rapport aussi par rapport à la partition musicale que j'ai choisie, qui est une espèce de grande épopée de 30 minutes pour cette première partie de parcours de la Vénus. Voilà, des symboliques. Ben, à un moment, elle rentre avec un crâne dans un bocal sur sa tête. C'était un peu symbolique. Au-delà de la Vénus, c'est elle qui porte sa propre mort, comme c'est elle. J'irais même plus loin, j'irais même, c'est un peu même une image de l'Afrique pour moi. Au-delà, voilà, une Afrique oubliée où quand même la mort est très présente avec toutes les maladies, les sida, les machins, les guerres, etc. Voilà, moi ce que je voulais c'était profiter de son histoire et aussi d'aller beaucoup plus loin, d'ouvrir, on va dire, le débat à partir de ce qu'elle représente, d'ouvrir le débat, proposer des images qui peuvent. Et surtout une recherche d'émotion, parce que je pense qu'elle a quand même elle a eu une vie assez tragique. Et donc, aussi, moi, j'aime les images fortes. Et donc, je suis aussi allé avec des images fortes. Parce que je l'ai fait travailler avec qu'elle soit enfermée, enserrée dans un lien, qu'elle s'enferme elle-même. Comme tant, c'est elle qui a choisi de partir. Donc, elle s'est elle-même enfermée dans ce piège, on va dire. Donc voilà, différentes... mais pas grand-chose non plus, parce qu'on veut pas... Moi, je veux que ça reste assez sobre, parce que c'est important, ça sert elle, des lumières, la musique, et puis voilà, avec ça, on peut faire pas mal de miracles, je pense.